kaka na grand dossier na biso alelo tokolobela régie des eaux tokomona descente munene oyo directeur général David Chulumba pe directeur général adjoint Jean Bosco Mwaka Indele basala ki bongo na usine yangalema bazaki accompagné na DPK Raymond Matuku oyo bazala ki bongo na descente oyo bakendaki kotala usine yangalema lolenge nini ezali ko fonctionner et puis kaka na cadre ya visite wana directeur général pe directeur général adjoint basala ki bongo sensibilisation ya ba agent nyonso ya DDK basala ki bango sensibilisation pona bayeba role na bango pote bayeba ndenge nini ya koyeba kosala musala malamu bazalaki accompagner na bandeko ya DIK West tomonaki pe chef a secteur ya DIK West bazalaki pe wana DG alobeli bango makambo misatu alobi ete esengeli batika kosala oyo tobengi ba raccordement frauduleux pambate ezali kobebisa image ya régie des eaux pambate bango bazali kozwa mbongo ya ba abonné po te batelaka bango mayi na ndenge ya kimoyibi yango moni DG David Chulumba abeti loboko na mesa lobi oyo nyonso bakokanga azali kotia mayi na ndenge ya kimoyibi bakolongole musala mbala moko soki ake kofunda na paka kende pambate parce que balingi ete baja ya régie des eaux bazala baja moko baza tègre to bazali na limemia na musala na bango pe ya mibale asengaki bango esengeli basalaka ntango nyonso sensibilisation na baabonné bakendaka komona baabonné bazalaka na lisolo na baabonné po te régie des eaux ayeba kozwa recette ya malamu ayeba kozwa mbongo ebele yango moni chef d'agence to ya secteur ya DIK West apesaki pe préoccupation pambate usine ya ozone eza bongo oyo chef d'état ainaugiraki eza déjà na marche mais ezalaki kote kuna mopanzi ya ngaliema mopanzi ya ma campagne ya léopard quartier léopard bainstallation na bango ezalaki déjà ya kobeba pambate babandaki soki kozwa mai te yango ntango usine ya ozone epompe mai bafuite ekomaki ebele yango moni basengi ete direction générale epesa makoki ete batia ba réseau ya sika mopanzi wana direction générale endimaki yango balobi ete bakopesa DPK makoki po ete bazongisa réseau baetabli réseau kote wana yango déjà alobaki même ata fuite ebimi 2h du matin esengeli bagent ya régie des eaux batelema bakende kosala fuite wana yango mpona batambola malamu bakomande bongo 60 véhicules oyo eza déjà na mai eza koya bakopesa bango yango na mois de mai oyo bakozwa 60 véhicules mpona epermettaka bango badéplacement na bango et puis mashine mosusu eye oyo ebanda kodetecte bamiyibi nyonso baoyo bayibaka mai mashine wana soki batia ngo likolo awa eza na kapasité ya kokota na profondeur rayon laser nango infra rouge eza na possibilité ya kokota 10 mètres na sa mabele mpona ekontrole oyo nyonso etali mai oyo nyonso esali tio yango moni basengi na biso bacongolais basengi na biso bakinois totika koyiba mai pamba te mashine wana eyebanda kokanga biso eyebanda kokanga biso mpe bino baagent régie des eaux botika kotia mai na ndenge moko ya fraude tolanda visite oyo DG asaki elongo na DGA ebongo tokutani na nsima. Merci pour la question. Nous sommes venus parler à nos agents de la direction provinciale de Kinshasa, particulièrement ceux de la division urbaine du côté de l'Ouest. Nous avons mis ensemble plusieurs pôles d'intervention, des pôles qui interviennent sur le réseau, avec la mise en service de l'usine de zone. Comme nous distribuons de l'eau sur un réseau qui a été abandonné pendant très longtemps, nous observons des fuites énormes sur le réseau. Ces fuites, c'est des manques à gagner, mais c'est aussi des coûts d'exploitation. Alors nous sommes venus parler en tant que famille, régie des eaux, pour attaquer ce problème des fuites, les résoudre une fois pour toutes, comprendre les difficultés des agents, pour tous les motiver, les encourager à résoudre ce problème de manière smart, de manière efficace, parce qu'on ne veut plus qu'il y ait des fuites sur l'ensemble de la ville, non seulement du côté de l'ouest, mais aussi du côté est. Là, nous sommes confrontés à certains problèmes qui sont essentiellement liés à la
la vétusté du réseau. Comme vous savez, le réseau de la ville de Kinshasa a été posé depuis les années 1939 et ça a évolué jusqu'aux années 60-70, etc. Alors, c'est un réseau en acier principalement, il a corrodé, il a perdu de l'épaisseur et parfois même quand nous faisons de la soudure, nous faisons de la soudure sur des lambeaux, des tuyaux. Donc on a un problème sérieux de renouvellement du réseau, renouvellement de la tuyauterie. Ça affecte parfois la qualité de l'eau que nous distribuons et donc ça affecte notre relation, la qualité du service que nous donnons à nos clients. Alors c'est ça le problème que nous voulons maintenant attaquer. Nous avons assez de capacité de distribution maintenant du côté ouest de la ville. Il faut résoudre le problème du réseau et c'est de ça qu'on a parlé. Vous avez également évoqué le cas de manque d'eau dans certains coins de la capitale. Oui, dans certains coins de la capitale, il y a encore des difficultés d'approvisionnement parce qu'essentiellement le réseau qui a été abandonné pendant très longtemps, il a aussi été vandalisé. Mais il y a aussi une partie du réseau, il y a des problèmes parce que la tuyauterie est vieille, les vannes bloquées, il faut les réouvrir, etc. Donc c'est un travail de fourmi que nous faisons en allant d'un quartier à l'autre, d'une avenue à l'autre, pour identifier les problèmes et les résoudre. Mais il faut dire qu'il y a déjà beaucoup d'améliorations, parce que les témoignages que nous recevons de nos clients sont très encourageants. Les clients apprécient le travail que nos agents font. Dans certains points de la ville, où les gens n'avaient jamais eu de l'eau, et quand nous passons, nous résolvons les problèmes de tuyauterie, l'eau coule à gogo. Et c'est ça que nous voulons continuer à faire et c'est de ça que nous sommes venus parler ce matin. Une mise en garde a été également donnée à tous les récalcitrants concernant les cas de raccordement frauduleux. Bon, mais je vais d'abord lancer un appel à toute la population quinoise. Si vous trouvez un citoyen congolais ou étranger qui fraude de l'eau de la régie des eaux, c'est un criminel. Il faut directement aviser les autorités, tant civiles que militaires, mais surtout la régie des eaux. Nous voulons faire arrêter ces gens parce que leur place, c'est la prison. Donc faire des raccordements frauduleux, c'est des crimes. Et nous allons identifier tous ces agents et tous les citoyens qui font ce genre d'activité criminelle. À la régie des eaux aujourd'hui, nous avons de la technologie pour identifier tous les raccordements frauduleux. Nous allons déployer cette technologie au mois de mai. Nous savons voir dans le sous-sol à plus de 10 mètres. Donc, vous qui êtes en situation irrégulière, vous avez un raccordement frauduleux. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mai pour régulariser votre situation. Parce que nous vous connaissons, nous allons vous identifier. Nous savons voir là où vous avez fait la connexion frauduleuse. Je vous rassure que votre place, si vous ne faites pas des arrangements à l'amiable avec nous, votre place sera en prison. Donc venez nous voir, arrangez votre situation, sinon nous vous identifions et nous vous mettons à la disposition de la justice. Que vous soyez citoyen simple ou une autorité, encore moins une industrie, on ne peut pas frauder de l'eau de la régie des eaux. C'est terminé, cette blague-là, c'est totalement terminé. Oui, monsieur le DG, les matériaux sont arrivés. Il y aura vous projetez des formations avant sa mise en service. Oui, le matériel, c'est des radars qui ont la capacité de pénétrer, comme je le disais, dans le sous-sol, jusqu'à près de 10 mètres. Ça peut voir en dessous du béton, ça peut voir en dessous du goudron, ça peut voir en dessous du sous-sol. Ce n'est pas un équipement aussi compliqué que ça, c'est des choses relativement simples. Néanmoins, il faut que les gens soient formés. Nous allons donc passer à l'étape de formation avant le déploiement. Comme nous avons résolu aussi le problème de mobilité avec la commande des véhicules que nous avons fait, on va déployer d'abord deux unités sur la ville ici. On va regarder surtout la partie ouest de la ville. Et après le premier mois, si les résultats sont satisfaisants, nous allons, n'est-ce pas, commander d'autres pour non seulement pour la ville de Kinshasa, mais l'ensemble du pays. Et que déjà, pouvons nous savoir également le résultat. Bami, Bibino, Bakinoa, Boyebige, Boyebe, Lagamaï, Masekewana ici. Donc, nous devons être sérieux dans ce pays. Nous devons aimer l'État congolais. Il faut tout l'ingam beau cannabis. Ceux qui ont l'ingam beau cannabis sauté, nous t'as compris ça beau comme sous azali, cannabis. Ceux qui ont ibé la camaille, régie des eaux, tika, ils allaient bilaler, bizarre les limabé.
il y a comme on a biso tout sur le nanayo pour qu'on régularise la situation. Ceux qui ont eu comme on a bisoté, tout le kangayo. Parce que tozali na technologie à Sika, tozali comme on a payé na se yamabélé jusqu'à 10 mètres de profondeur, et à la na se yabéton, na se yagoudron, tout comme on a. Ceux qui ont eu biko ibe la kamaï, viens à la régie des eaux. Tu as jusqu'à la fin du mois de mai pour régulariser ta situation. Sinon, tout le kangayo. Parce que Tokomona et Sika Oibe la Kamaï, Tokoya Penaba militaire, Naba OPJ, Tokosa la constat et la justice décidera du reste. Matériel est aux la direction générale de terre, parce que la direction générale, tout ça, la Kamosa est à réseau terre. Matériel est aux la direction provinciale, il y a ville de Kinshasa, et la direction provinciale et tout ça matériel, Nabisika Nyonso, là où il y a le poste. Oui, mais c'est déjà ce qui est au permettre tout le directeur provincial. Usine Yangaliema, beaucoup de bandeko, il y a des décors, bah plombier, bah poule, la réparation, il y a bah fuite, autres allées comme on a, on a à partir ouest, il y a ville, il y a Kinshasa, bah tout y est sur la comment aussi les ça, bah fuite autres allées comme on a, malgré bah difficulté, bah j'ai un abysso, bah j'ai un ango, bah difficulté les allées à mobilité, parce que parfois bah pour bien aller à 2h du matin, à 3h du matin, pour 4 ou 5 fuites sans mobilité, moyen pour qu'on ait un fuite des alliés, c'est très pénible. Alors, tu es que Savango, que l'Ikambo a mobilité, le Silici Yago, la commande de Mitouka et Zali Koya, pour la ville de Kinshasa, mais aussi pour la province. Tu es que Savango, sommités matériel y a détection y a fraude pour bande de conabissa en la ville à Kinshasa basali pour y bela ma y a régie des eaux tout banda pour mon abango tout sur un abango bahou basali pour yokate tout kangi sabango tout landa ni bête y a l'état parce qu'on ne peut pas jouer avec le bien public donc un des masolo tu y a qui consolera en attendant y a l'élo na ba travailleurs nous sommes à Dita essentiellement bahou basali na partie ouest y a l'élo. Oui, wana Bouti Kolanda. O nyonso directeur général David Chulumba na Molandi na Jean Bosco moi kaindele Basile Koloba pe o directeur provincial à Kinshasa AI Raymond Matungu Asimbongo Koloba. Balobi pe la bande Koloba so nyonso ba locker o nyonso ba sokola ka mituka na nzela bokomi ko ampiété ba tio ya régie des obino nyonso ba bande ko kanga bino. Totika Pambate, régie des entreprises Nabiso, Tolingae, Kimia, Ezala, Namabuta Nabiso.